Jusqu'à 9h, vous écoutez Qu'est-ce qui matin à Choc FM. 7h50 dans l'émission Qu'est-ce qui matin. Maintenant, je reçois M. Sylvain Don, le maire de La Pocatière, et Joël Bourque, qui est directeur général de développement économique La Pocatière. Bonjour à vous deux. Salut Maxime. Alors, bonjour Maxime. Vous êtes ici ce matin pour parler un peu de la situation de Bombardier. La semaine dernière, on a appris qu'elle allait avoir au-delà de quoi 200 mises à pied au cours des prochaines semaines, en lien avec le fait qu'il y a un logiciel pour la confection des métros de Montréal qui est livré en retard. Donc, à cause de ça, ça retarde la production. Alors, c'est sûr que dans une ville comme La Pocatière, M. Don, quand on entend parler qu'il y a 200 personnes là, qui sont mises à pied temporairement, ça fait toujours peur, hein, puis ça frappe l'imaginaire. Effectivement, puis il faut toujours le dire, puis on a, comme tout le monde a commencé à le dire, c'est pas lié justement au travail de des employés de Bombardier à La Pocatière, c'est lié à Bombardier comme tel, c'est lié au fait que le contrat était scindé en deux. C'est Alstom, puis eux autres avaient un sous-traitant qui était un sous-traitant en Italie. Donc eux autres sont en retard, sauf que c'est les employés d'ici qui payent. Ouais. Donc ceci étant dit, oui, ça a un impact parce que c'est quand même 200 personnes qui ont quand même une paye, ils vont en avoir une, mais elle est moindre, puis quand c'est pas prévu dans ton budget, c'est pas prévu dans ton budget. Puis c'est sûr que ça a un effet encore indirect, ça veut dire, oui, moins d'argent dépensé, ils vont peut-être retarder certaines dépenses. On revient toujours là-dessus, mais c'est un constat. Ça, je trouve ça triste parce que c'est, je le répète toujours, c'est quand même des très bons employés. Je pense qu'il y a une très belle direction ici, ils veulent tous avoir des emplois, mais que 6 mois, ben c'est déjà trop. Ceci étant dit, mais il faut fonctionner avec ça. Généralement, vous, M. Bourque, en tant que directeur de développement économique La Pocatière, vous êtes en contact avec tous les commerçants. C'est qui s'inquiète le plus quand ça tourne au ralenti chez Bombardier? Est-ce que c'est les commerces de détail? Est-ce que c'est les sous-traitants de Bombardier? Est-ce que c'est les restaurateurs? Ou un peu tout le monde, finalement? Ben, M. le maire en a parlé. Je pense qu'au niveau commerce de détail, il y a de l'inquiétude, effectivement. C'est de l'argent noir. Ils vont être appelés, mais au cours du mois d'octobre. Au niveau des fournisseurs, bon, je fais quelques contacts. Il y a des maux de tête en vue, évidemment, là, parce que quand un donneur d'ordre comme Bombardier arrête la production sur une certaine période, ben, ça a un effet domino, finalement, sur les autres entreprises qui sont présentes ici dans le parc d'innovation, mais également pour des fournisseurs des entreprises présentes ici. Donc, c'est toute la chaîne d'approvisionnement, finalement, de Bombardier qui se trouve bousculée. Mais moi, j'ai confiance aux entrepreneurs ici. Ils ont su relever les défis dans le passé, puis ils vont certainement trouver des façons de trouver des solutions là pour faire face à ces défis. Quand on prend une ville comme La Pocatière, il me semble que quand on est dans notre milieu, nous, on voit que la ville s'est diversifiée sur le plan économique. C'est peut-être pas évident pour les gens à l'extérieur, parce que je voyais un véhicule de Radio-Canada là, qui arrivait de Québec la semaine dernière. Donc, on vient à La Pocatière comme si tout tournait autour de Bombardier. D'un autre côté, on veut pas diminuer là, l'impact de Bombardier dans la ville, monsieur. Non, monsieur, c'est un bon point. Puis je pense que j'ai fait 6-7 entrevues la semaine passée. Tu sais, c'est parce que Bombardier, c'est un leader mondial. Ça a frappé l'imaginaire. Puis ils ont déjà eu au-dessus de 1200 employés. Puis dès qu'il y a une nouvelle qui touche Bombardier, c'est comme si, oui, il y avait une bombe qui tombait sur La Pocatière, t'arrêtais. Bombardier, ça a été excessivement important. On aimerait ça, nous autres aussi, que tout le monde se remonte à 1200, mais c'est pas le cas actuellement. Mais c'est la preuve qu'une entreprise comme ça peut tellement frapper l'imaginaire qu'il faut ramer fort après ça pour dire, écoutez, l'économie de La Pocatière, ça s'est quand même diversifié grâce à Bombardier, parce que quand il y avait beaucoup d'emplois, il y a eu des sous-traitants qui sont installés ici, qui ont développé des produits, mais ces gens-là, au moins par mesure de prudence, pour garnir leur carnet de commandes, quand il y avait des périodes plus creuses dans Bombardier, ben, il fallait qu'ils développent d'autres produits. Puis c'est le même qu'on a dans le parc industriel, dont Joël, vous mentionnez le nombre d'employés, il y a quand même beaucoup de monde. Mm-hmm. L'économie se diversifie, tantôt je donnais un exemple. Milieu scolaire, il y a une dénatalité, il y a moins d'élèves dans les écoles, sauf qu'en contrepartie aussi, il y a quand même des résidences personnes âgées ont poussé à La Pocatière dans le Kamouraska. Ça prend quand même du monde pour s'en occuper, mais c'est pas avec ça qu'on fait des reportages. Mm-hmm. Même si c'est de quoi que ça s'appelle de la diversification. Puis des petites entreprises, il y en a à La Pocatière, puis les discours économiques de plusieurs grands politiciens, il faut aller dans la petite et la moindre entreprise. Et c'est ne pas mettre de côté des entreprises comme Bombardier. Ils ont toujours leur place, puis c'est nécessaire dans le paysage économique de La Pocatière. Mais c'est pour ça que oui, il faut travailler fort pour dire qu'il existe autre chose aussi. Mais on espère toujours que Bombardier obtienne d'autres contrôles ultérieurement pour développer au moins cette grosse entreprise-là qui va amener le plus de retombées économiques indirectement. Donc justement, M. Don faisait référence au paysage économique, M. Bourque. Donc, parc industriel, on l'a vu, il y a quand même des entreprises qui ont poussé au courant des dernières années. Je parlais avec Technologie Novawell la semaine dernière. Oui. On va parler ce matin avec Technologie Lanka. Donc, ça montre qu'il y a des emplois malgré tout là. C'est combien de personnes qui travaillent? Il y a près de 300 personnes qui travaillent avec 8 entreprises, 2 centres de recherche, dont Novica, évidemment, un centre de recherche de renommée, Optech, et puis 8 entreprises, certaines d'entre
d'entre elles, vous l'avez dit, qui se sont développées dans le sillage du département de technologie physique au Cégep, avec grâce à la présence ici de centres de recherche et de lieux de formation, de transmission de haut savoir. C'est la renommée de la Pocatière, donc 285 employés à peu près dans le parc d'innovation, c'est pas rien. Moi, je peux comprendre, j'arrive là, ça fait 2 ans, vous le savez, Maxime, je peux comprendre l'époque à toi d'être, de regarder vers l'arrière, puis être nostalgique de la période où il y avait 1200 emplois, mais promenez-vous un peu partout au Québec, une communauté de 4500 personnes, il y en a plusieurs, il y a plusieurs communautés qui seraient fières de compter sur un chef de file mondial comme Bombardier, même si c'est pas comme c'était il y a 25 ans, on en est bien conscient. Mais c'est encore une force majeure dans la région. C'est une force majeure dans la région et ça a amené des impacts. Et je suis convaincu que ça va en amener encore. Avec le domaine manufacturier, on dit qu'il va reprendre au Québec au cours des prochaines années. Ça s'explique notamment par la baisse du dollar canadien. Ça peut aider les sous-traitants, ça peut aider Bombardier, ça, dans un futur proche, M. Bourque. Est-ce que vous sentez un verre d'optimisme, justement, peut-être auprès des entreprises de la région? Effectivement, il y a des opportunités là. Je pense qu'avec le dollar à 85, on est effectivement là. Ça offre des opportunités. C'est avantageux pour l'industrie, pour le manufacturier. Effectivement, mais puis Joël mentionnait un élément très important, c'est quand même une diversification du savoir à la Pocatière. Mm-hmm. Puis il y a un exemple qu'on a eu il y a à peu près une semaine et demie, c'est Ampère Proto. Oui, bon, oui. Écoutez, ils ont racheté le bâtiment de Brand Source qui était multimeuble. Écoutez, c'est un jeune qui a fait ses études ici, qui a travaillé dans la formation. Puis là, il a le goût, il aime le coin, il veut rester là, il s'est développé. Puis c'est un ambassadeur maintenant. Écoutez, c'est un jeune, c'est le meilleur exemple. Tu peux commencer ici, faire tes études, travailler dans des centres de développement technologique et avoir ta propre entreprise à pignon sur rue. Écoutez, lui, il fait des livraisons en dedans d'une semaine. Le transport, ça le dérange pas. Il peut garantir sa production chez ses clients. Puis il vante les mérites du milieu pocatois, puis il invite les jeunes qu'il connaît à venir ici. Donc, ça veut dire que la jeune entreprise, des jeunes qui sont là, qui réussissent à se faire des maillages avec des gens d'expérience, qui ont déjà eu pied sur, qui étaient déjà installés à la Pocatière. Donc, c'est numéro un. Puis ça, il faut vanter ça, il faut leur donner une chance à ces gens-là de s'exprimer, de dire pourquoi ils sont ici, pourquoi ils ont aimé ça. Puis c'est quoi les avantages? Mm-hmm. Donc, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme ça que vous êtes au courant, M. Bourque, qui est au courant de la prochaine année, qui sont à la Pocatière ou qui ont intérêt à venir s'installer à la Pocatière puis qui vont contribuer finalement au développement de la ville? Ben, il y a des entreprises, on a entendu Technologie Novawell, des mm-hmm. entreprises qui n'ont pas, qui utilisent une technologie à l'époque qui était développée par Bombardier, mais aujourd'hui qui font la production de barils et qui ont diversifié leur marché. Des entreprises comme Fou du Cochon, d'autres entreprises également de haute technologie, Ampère Proto, monsieur le maire en parlait, donc il y a plusieurs entreprises à la Pocatière qui ont essaimé avec cet environnement favorable qu'il y avait ici, qui ont réussi à diversifier leur marché. Mm-hmm. Et peut-être en terminant, monsieur Don, il y a ce projet où on veut faire un genre de deuxième parc industriel, si je comprends bien, proche de chez Bombardier, et on est toujours dans l'attente de la CTPAQ pour savoir s'il y aura un dézonage au niveau de ces terrains-là. Est-ce que vous allez passer devant la commission prochainement? Ou... Non, pas prochainement, parce que le dossier n'est pas encore tout complété, parce qu'il faut être sérieux. Hein. Quand on va là, hein, on s'attend dessus que ça, puis surtout que récemment, ils ont donné des réponses qui n'étaient pas nécessairement très, très favorables dans certains dossiers. Là, et donc, je pense qu'on va s'attaquer 2 fois plus qu'une pour monter le dossier d'une façon quasiment parfaite. Mais ceci étant dit, c'est pas nous autres qui prenons la décision. Je trouve que ça serait une suite logique, que ça soit mm-hmm. juste à côté, ça serait intégré. Mais il ne faut pas manquer notre coup. Puis ça veut dire qu'on va demander de l'aide de l'AMRC parce qu'on a quand même des contacts là. Puis il y a Mary Zeno qui travaille fort là-dessus. Ça va être l'important, c'est qu'au moins le terrain nous appartient. Puis dans ma tête, puis dans la tête de tous ceux de la ville qui travaillent là-dessus, c'est tout simplement logique. Mm-hmm. Mais ça nous ouvrirait une opportunité pour la diversité d'entreprises, parce qu'il faut comprendre que le parc industriel est quand même plus de la haute technologie. Des fois, on peut avoir des reproches pourquoi on voulait pas qu'on aille là. C'est parce que c'est une décision qu'on a prise, puis je pense que c'est une bonne décision. C'est certain que des fois, ça peut faire des malheureux, mais après ça, si on peut avoir l'autorisation, on va être équipé, comme on dit, pour veiller tard. Mais pas boire trop, bien entendu. Ben là-dessus, Monsieur Hudon et Monsieur Bourque... Ben, c'est un projet qui est à développement économique qu'on suit, parce que ça nous donnerait effectivement des outils additionnels pour attirer ici des entreprises. Donc, on a donné une vocation au parc actuel, et je pense que c'est bien. C'est un parc d'innovation pour les entreprises technologiques. Je pense que c'est une question de familiarité aussi, hein, et de
de finalité d'usage qui est important à respecter. Mais il y a, on peut vous confirmer qu'il y a des demandes, il y a des besoins. Mm-hmm. On le sent dans le milieu et puis on suit ce dossier de très près. Bien, M. Joël Bourque, qui est directeur de développement économique de l'Apocatière, M. Sylvain Don, maire de l'Apocatière, merci d'être passé faire le point aujourd'hui dans l'émission matinale. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci.